Dans un instant, Françoise Walravens reçoit des invités qui nous parleront de la culture telle qu'ils la conçoivent pour les enfants. Bruxelles, Théâtre de la Monnaie, 21 juin 93. Préparation de l'opéra en trois actes, Les Maîtres Chanteurs, de Richard Wagner, subtilement dirigé par Antonio Papano. Dans Fanguetane, Michel Jacquard, réalisateur de ce superbe document, promène sa caméra tantôt dans la réalité des acteurs une fois le rideau tombé, tantôt dans le feu de la fiction wagnérienne. Fanguetane réjouira tous les publics qui apprécieront la vie trépidante des coulisses ainsi que la somme de travail que demande une représentation. Dans cette brillante interprétation, José Van Damme excelle. Un hommage à cette gigantesque machine qu'est l'Opéra de la Monnaie, ce vendredi à 20h50 sur 21. La première fois, je me demandais vraiment si j'allais aimer. Surtout que le chocolat blanc est moi. Mais dès que j'ai goûté ce fourré si léger, ces différents pralinés, j'ai très vite compris que je ne pourrais plus résister. La bouche est blanche et moi, une véritable histoire d'amour. Pour 27 francs par jour, on assure l'avenir d'un enfant là-bas? Avec Blanc, on a un filleul là-bas. On sait ce qu'il fait, on connaît sa famille. Eh bien, c'est les gens des villages qui décident les projets et qui les réalisent. Ils essaient d'améliorer les sanitaires, les routes, les écoles, l'habitation. Ils sont plus autonomes. Régulièrement, je reçois une lettre avec des dessins, des photos. Il faudrait beaucoup plus de parrains, ça c'est clair. C'est plus que simplement donner, c'est aussi beaucoup recevoir. Les acteurs du Théâtre Mali de Saint-Pétersbourg vous présente Gaudeamus, un spectacle décoiffant où l'on rit, où l'on est étonné et très ému. Un bataillon de choc qui chante, danse et dénonce avec humour le système soviétique. Gaudeamus, extraordinaire et inoubliable. Pravda ne pozhelite. Enfin disponible en CD et en vidéo. Les trois ténors, le concert de 1994 en vente partout. Le ciel, le soleil et la mer. C'est une formation géologique qui est formée, donc c'est une formation par les sables. Donc, les sables qui se trouvent ou au milieu du désert ou au bord de l'eau, qui sont des formations géologiques formées par le vent. Qui les pousse, qui les forme. Mais alors, des dunes, c'est aussi des minces. Des minces. Un dune, un dicken, un dune. Dune, monticule de sable formé par les vents sur les littoraux et dans les déserts. Le Dico-trottoir avec Pampers. J'ai découvert des langes ultra fins incroyables. Ils sont élastiques et gardent ma petite Rebecca bien au sec. Ce sont les nouveaux Pampers Ultra Thin Stretch. Ils sont vraiment fantastiques. À la crèche, j'ai remarqué que lorsque les enfants jouent, leur linge bâille. Parfois, il y a des fuites. Leur petit ventre est alors humide. Voici les nouveaux Pampers Ultra Thin Stretch. Ils sont élastiques à la taille et sur les côtés pour suivre en douceur les mouvements de votre bébé.